À son allure, on dirait qu'il n'a pas de problème. Et pourtant. C'est à l'âge de 6 ans et demi, j'étais à l'école. La maîtresse a demandé de sortir les cahiers dictés. Et là, j'ai commencé à écrire de travers. Elle m'a dit, prends ton cahier de brouillon. Et c'était de pire en pire. Sans préavis, un malheur s'est produit. Il devient aveugle. Et du coup, ma mère, elle m'a emmené chez le médecin, il a dit que je devenais fou. Elle m'a emmené chez un ophtalmo, il a dit que je voulais porter des lunettes comme les copains. Et du coup, il m'a donné des gouttes, mais les gouttes, elles étaient trop fortes par rapport à mon âge. Et du coup, il m'a brûlé la pupille. Donc du coup, ça n'avait pas arrangé la chose. Ma mère m'a emmené chez des pédiatres. Et du coup, les pédiatres, ils ont dit que non, je ne devenais pas fou, que j'avais quelque chose au cerveau, mais je ne savais pas quoi. Donc là, il y a une voisine, elle a dit à ma mère, va voir l'ophtalmo qui a Étampes, M. Bergabel. Et là, l'ophtalmo, il a dit, faut l'opérer d'urgence, il y a une tumeur aussi grosse qu'un œuf. Et là, ils m'ont opéré le lendemain et puis Problème, au regard de la plupart des gens peut-être, mais pas pour lui. Ah, maintenant, je fais du sport handicap, je fais musculation à Saran au dojo. Et je fais la piscine aussi le vendredi. Et je trouve que c'est très bien parce que sur Saran, les handicapés sont bien acceptés. Ils font tout pour qu'on ne soit pas exclus des autres. Et je fais de la guitare aussi. Touche à tout, plein de résilience et philosophe, c'est une leçon que Johnny nous donne. Preuve que la vie, malgré tout, triomphe. Et c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas faire de sport ou même faire d'autres activités. Voilà ce que je conseillerais pour les handicapés. Et aussi, ce que je conseille, c'est quand on tombe malade, peu importe la maladie qu'on a qui nous handicape, il faut avoir le moral, la force, et un bon entourage, et je pense que vous vous en sortirez. Le handicap peut frapper n'importe qui à tout moment. Mais Johnny, comme d'autres, en ont fait leur partie et démontrent que rien n'empêche de vivre, d'aimer et de rêver, comme tout le monde.